Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle méditation. Nous en avions parlé lors de nos cours en présentiel. Je vous avais donc parlé de vous proposer un soin de lumière. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant cela, je vais vous demander de prendre quelques minutes pour vous centrer avant tout sur la respiration. Vous pouvez vous accompagner pour ces instants d'une huile en lien avec le cœur, bien sûr, huile essentielle de rose, de géranium ou toute autre huile qui pour vous résonne vraiment dans votre espace cardiaque. Tout d'abord, je vais vous demander d'inspirer profondément, puis de faire une pause de 3 secondes, puis ensuite d'expirer profondément également, et de faire une pause de 3 secondes. J'inspire profondément. Je fais une pause de 3 secondes. J'expire profondément. Je fais une pause de 3 secondes. Faites cela pendant 2 minutes environ. C'est à vous. Très bien. Maintenant que vous êtes plus dans la conscience de la respiration, commençons ce soin de lumière. Vous pouvez vous accompagner d'une bougie qui sera votre lumière. Ce soin se fait plutôt assis, mais si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez vous allonger si c'est plus confortable pour vous. Et fermez vos yeux. Connectez-vous à votre bassin, à vos pieds, et sentez, ressentez le poids de votre corps, votre ancrage, votre connexion à la terre-mère. Ressentez son énergie, ressentez
sa puissance. Alors faites partir de vos pieds. Faites partir de votre périnée, des racines. Des racines qui vont s'enfoncer profondément dans la terre. Des racines qui vont vous relier à cette énergie puissante. Alors imaginez, créez, visualisez ces racines qui partent de vos pieds, de vos cuisses, de votre périnée et laissez-les s'enfoncer profondément dans la terre. Laissez-les vous relier au noyau de la terre. Laissez-les partir vraiment profondément. Laissez-les s'enfoncer. Quand vous serez arrivé à ce noyau, au centre de notre planète, alors accrochez-vous, accrochez vos racines au noyau de la planète et laissez l'énergie de la Terre remonter, remonter, remonter avec vous. Laissez-la vibrer, laissez sa puissance revenir en vous. Laissez cette énergie remonter jusque dans vos pieds, jusque dans vos jambes, jusque dans votre bassin, jusqu'à l'espace sacré de votre cœur. Laissez cette énergie puissante, cette énergie équilibrante, stable, laissez-la entrer en vous, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à recevoir cette énergie de la Terre. Puis, connectez-vous au sommet de votre crâne, sur votre couronne, et ouvrez cet espace. Ouvrez cet espace et ressentez le lien avec le ciel, avec l'énergie cosmique, avec les étoiles et la lune, avec les planètes. Sentez cette énergie subtile, cette énergie douce et faites-la descendre par l'espace de votre crâne, faites-la descendre cette énergie en vous, laissez-la entrer dans cet espace, laissez-la redescendre jusqu'à l'espace de votre cœur. Laissez-vous inonder par cette énergie. Et quand vous ressentez ces deux énergies, l'énergie de la terre et l'énergie du ciel qui rentrent dans votre cœur, alors ouvrez-vous, ouvrez l'espace de votre cœur pour ressentir ces deux énergies qui se mêlent l'une à l'autre, qui se mêlent dans l'espace de votre cœur. Et faites entrer toute cette énergie, toutes ces énergies dans votre cœur. Ouvrez, ouvrez-vous à recevoir ces énergies merveilleuses. Ouvrez-vous. Placez toute votre conscience dans votre l'espace de votre cœur. Écoutez-le se remplir. Amplifiez votre respiration. Ouvrez votre cage thoracique. Ouvrez encore et encore. Laissez tout cet espace se remplir complètement. Et quand votre cœur est plein à déborder, envoyez
cette énergie lumineuse d'amour vers le monde, vers l'humanité, vers l'ensemble du vivant. Émettez simplement l'intention d'inonder d'amour, de lumière, de paix, chaque être qui en a besoin. Et que cette énergie du cœur vienne transmuter les peurs et les souffrances de chacun. Qu'elle recouvre et pénètre chaque parcelle de notre planète. Imaginez, visualisez un rayon lumineux, puissant, qui émane tout d'abord vos proches, votre famille, vos amis, tous ceux que vous aimez. Que cette énergie inonde votre maison, les lieux autour de vous. Puis étendez votre lumière à tous ceux qui vivent près de chez vous, votre quartier, votre ville. N'oublions pas d'inonder tous ceux qui sont dans les difficultés, toutes les familles en deuil, tous les gens en souffrance, tous les gens malades. Pensez en ces temps joyeux de fête. Pensons à tout cela aussi. À tous ceux qui ne seront peut-être pas accompagnés pendant les fêtes. Ayons une pensée, envoyons-leur de la lumière. Augmentez encore votre rayonnement. Aidez-vous de l'odeur qui vous accompagne. Aidez-vous de la musique, des êtres de lumière qui vous accompagnent, et rayonnez amour et paix. Lumière sur tout le pays, sur tous ses habitants. Connectez-vous à toutes les personnes qui, avec vous, en même temps que vous, sont dans la même intention. Sentez le lien, la force de cette communauté de lumière et illuminez le monde. Tout entier de votre lumière, la planète entière, toute l'humanité, tous les animaux, tous les végétaux, tout le vivant de notre planète, l'ensemble. Tout en sentant toute la lumière et l'énergie qui émane de votre cœur, vous pouvez intérieurement ou à haute voix répéter « J'accueille la lumière du ciel et la lumière de la terre. Je les nourris et les amplifie dans mon cœur et les rayonne dans le monde pour le plus grand bien de tous et en accord avec les lois de l'univers. » J'accueille la lumière du ciel et la lumière de la terre. Je les nourris et les amplifie dans mon cœur et les rayonne dans le monde pour le grand bien de tous et en accord avec les lois de l'univers. Et afin de continuer ce merveilleux soin de lumière, nous allons continuer bien sûr par une relaxation sonore qui sera dans cette énergie merveilleuse du cœur qui sera douce. Alors installez-vous confortablement. Si vous avez une huile, elle peut continuer à vous en accompagner pendant ce voyage sonore.
après ce soin de lumière, puis ce voyage sonore, peut-être accompagné pour vous de l'âme de certaines plantes, si vous aviez des huiles essentielles avec vous. Pour finir, je voudrais simplement vous dire que parfois un sourire, même derrière un masque, un hochement de tête, un regard échangé avec quelqu'un, un regard de bienveillance et d'amour, peut parfois aider beaucoup celui qui le reçoit. Soyons toujours dans la conscience du faire le mieux que l'on peut, et parfois de choses si simples, faites avec amour et bienveillance, peuvent émerveiller la journée d'une autre personne. Une petite intention, attention pour un collègue, pour son amoureux, son amoureuse, pour son enfant, pour un parent. Un petit SMS écrit en se posant 2 minutes et en étant écrit avec amour. Beaucoup de choses sont parfois dans notre vie qui va si vite, plus reconnues, alors que toutes ces petites choses sont si importantes. Alors, pendant le moment de ces fêtes, prenez des instants pour vos proches, pour vos amis, toujours dans cette énergie d'amour, mais aussi pour des inconnus que vous croisez. Nous sommes tous un. Et vous avez pu ressentir l'amour puissant dans notre cœur avec ce soin de lumière. Alors n'hésitez pas à envoyer toute cette lumière vers tous ceux qui en ont besoin. Mais bien sûr, en commençant par vous nourrir vous-même. Parce que pour donner de l'amour aux autres, ça n'est pas possible si vous ne vous êtes pas nourri avant. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est simplement ainsi. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Et je vous souhaite de recevoir beaucoup d'amour, de bienveillance et de tendresse. Alors prenez des instants pour vous aussi, si vous êtes un peu en congé. Ou même si vous ne l'êtes pas, prenez des instants pour vous. Car c'est important que vous soyez au cœur de votre vie. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres belles méditations. Prenez grand soin de vous et de tous ceux que vous aimez.